Et on espère pouvoir nombreux. On a déjà un peu de beau monde, on a Jeddah, on a Verdict, on a Rusbeck, on a Enlas, on a TPK, on a Dr. Kong, on a toutes ces belles choses. On espère pouvoir encore plus nombreux. Et si vous êtes déjà dans le turfu et que vous êtes déjà sur le game, évidemment l'Ultimate Wanted, hein, TK pourra témoigner, ça va être le feu. Et j'y serai pas parce que c'est un échec. Mais... 3, 2, 1, parti! C'est parti sur. Alors, un, c'est le meilleur stage, hein, parce que visiblement, DCS final, ça lui fait mal aux yeux, donc il part sur, sur Royaume Céleste en, en DF. Quoi? C'est ça. Est-ce qu'il fera mal aux yeux? C'est ça la question. Donc, c'est parti pour l'instant, léger avantage niveau 10% à Enlas. Enlas qui, après, il s'est fait battre par Xmayo au dernier tournoi et il m'a dit avant ce tournoi, cette fois-ci, je ne me fais pas avoir. Donc là pour l'instant il confirme plutôt ça, hein. il a appris les douilles à la Fox, mais il faut pas se laisser Max Mayo dès qu'il est dans les phases comme ça de juggle, il va se faire plaisir sur toute la balle ombre, Fox il peut l'éviter assez facilement. Attention sur ces phases là parce que un upper de Fox ça fait pas plaisir. Oh attention avec ce nerf. Nerf pas sur une classique mais voilà ce qu'il y a immédiatement en Chine pour venir. Malheureusement, encore une fois c'était une. Dash attack je crois juste avant. Donner Smash, voilà c'est ça. C'est, ouais, c'est le truc qu'il faut pas se prendre avec Fox si vous prenez un donner. Oh what? Attention, avant que Fox remonte de loin. Ça met l'ulti jab tranquillement. Pour l'instant Max Mayo en position de ses moyens. Ça met le smash tranquillement. Pour l'instant, là, ça... après ce donner of smash sur la première stock, là, il a du mal à réapprocher pour mettre les pourcents, pour en 103%. Là, il va falloir commencer à tuer parce que. Pourquoi je justifie ça? C'est terrible. Mais si vous n'avez aucune prestance vocale ce soir. Donc, pour l'instant, c'est vraiment une phase où les deux sont autour, se jouent un petit peu et sont vraiment extrêmement défensifs. Et ça, se comprend. Parce que c'est deux persos relativement légers mais qui peuvent tuer l'autre assez facilement donc personne veut risquer. Oh là là, le SDD en las. Dommage, il a mal fait sa TP. Parce que je pense qu'il peut remonter mais. Il a mal fait sa TP, c'est dommage. Donc première game pour Max Mayo. Pour l'instant, là, ce qui a pas vraiment transformé l'essai. Hein, qui avait, je pense, possibilité de remporter cette manche mais. C'est difficile Fox quand on n'arrive pas à l'approcher. Et en là je choisis Battlefield, ça peut se comprendre encore même si c'est plutôt un bon terrain pour Fox, on va pas se le cacher. Ça peut se comprendre Battlefield parce que il peut pouvoir camper peut-être plus facilement et plus efficacement avec les plateformes. La vie de snare, attention avec ce multi-jab. Hein. Les classiques Fox. Petite et tout de suite, hein, je suis un petit peu de juggle. Bon, on revient tranquille, attention avec cette dash attack. Voilà, ce qui est vraiment un peu trop pressé sur sa balle ombre, il la balance un peu aller, on verra bien. Je vais peut-être la garder, voire attendre une air dodge, parce que c'est quand même un outil de pression très très puissant la balle ombre. Donc, attention à pas la gâcher une fois qu'elle est chargée. Ça se charge vite mais tout de même. Ah, ce qui joue beaucoup sur le down tilt, hein, pour l'instant c'est le seul move qui est vraiment efficace contre Max Mayo. Attention avec ce down air. Toujours au stop switch, hein, c'est la guerre psychologique là, hein, c'est. Ça cherche une ouverture l'un garde l'autre et dès que ça la trouve ça bourre. Vraiment excellent le type de Mewtwo hein, qui couvre à peu près toutes les options et qui outrage beaucoup de choses, notamment ce multi-jab de Fox. Donc... Ah, attention, c'est le dommage qui était un peu présomptueux. Il a attendu une rock qui est pas venue, je pense. Slive throw et le fer qui est trouvé qui ne va pas tuer 100% du côté de Fox. Attention, et Mewtwo qui a la balle ombre. Une balle ombre est si vite sortie. C'est perfect shield. Et là, tout à refaire pour Enlas qui se retrouve encore une fois acculé et qu'ose pas y aller. Le nerf qui est trouvé, c'est nerf. Oh la vache, attaque, ça va pas tuer. Mais là, on est vraiment dans les pourcents très très dangereux du côté de Fox. Attention, oh, il a voulu y aller au side B. Et
Oh là, ça a tout stoppé avec la ballon, bon, bien joué de sa part. Petite phase intéressante. Petite phase intéressante avec l'utilisation des deux reflects. Et là, on va devoir prendre pas mal de pourcents pour espérer vaincre Masmayo. Va falloir vraiment gagner la masse de temps. La masse de pourcents, surtout. Attention, voilà les phases de garde qui vont être difficiles. Ah, oh, encaissé d'un côté dans l'as. Le smash qui a. Max Bayo qui a beaucoup compté sur la pression qu'il mettait en fait par sa simple présence près du ledge. Et en l'as, du coup, il a voulu tenter un truc avec le side B. Sauf que Max Bayo l'a vu venir et paf, F smash de Fox à plus de 100%. Ça fait largement taf. On s'est situé. Attention avec ça. Ce multi-jab, beaucoup de multi-jab puni hein, de la part de dans l'as. Il va falloir que Max Mayo fasse un petit peu attention là. Il suit sur la plateforme qui est impeccable, hein, ce qu'a attendu le Shine pour pouvoir balancer sa balle ombre. Et là, il va falloir faire gaffe parce qu'encore une fois, c'est les phases où Max Mayo se gave. Attention, en fait, c'est F-Tilt qui va être un instant de pression un peu compliqué. Heureusement, il peut abuser de sa air dodge. Parce que il y a un jeu à hit. Attention, Max Mayo qui a attendu peut-être une Rico un petit peu plus haute. Très attention avec. Oh, la tech qui est lue de la part dans l'as et tout de suite le disable. As qui donc prend cette deuxième game un partout. Alors, quel terrain Max Mayo va-t-il choisir pour une pick en l'as? C'est pas exclu qu'on. Je ne sais pas ce qu'a pu ban en l'as. Visiblement, il est suffisamment pour aller sur deux mondes pour traverser de la yad, d'accord. Ça joue à domicile. Hein. 3, 2, 1, je pense que c'est un terrain où Max Mayo va être plutôt à l'aise. Il n'aura pas trop de problèmes à profiter de plateforme. Et du côté de dans l'as, ce qui est un peu. Je vais dire tendancieux, mais. Peut être compliqué pour le coup, c'est qu'en fait, avec les titres, Lylat peut manger sa boule et c'est très chiant. Mais d'un autre côté, encore une fois, il profite des plateformes. Hein. Donc, je ne sais pas ce que ça peut donner. En tout cas, pour l'instant, ça va plutôt profiter à Max Mayo qui est de 75%. Attention, encore une fois, c'est down tilt de Nuki, mais incroyablement fort. Ça va bien profiter. Attention, on a des images qui sont mis dans le vent. Parce qu'il a raté son pivot et il est à lancer la lampe du mauvais côté, ça je pense qu'il touchait. Max Mayo qui utilise beaucoup plus le laser hein, sur cette game là, il peut prendre du pourcent très rapidement parce qu'il sait que ça va jouer à la rapidité du kill contre Kuku. Pour l'instant, oh, Dun Tilt ou Fer qui est pas. Ça a pas connecté, hein, je pense qu'on a. Pour ça, je ne sais pas. La ballon ne touche pas, ça ne touche pas le ledge hein, évidemment, puisque les côtés de la hat sont légèrement baissés. Pour l'instant, l'avantage au niveau des pourcents à Max Mayo avec ce fer, donc bien sûr, un slash attack. Du coup, on va sortir très vite. Ouh, Max Mayo qui a cross up. Donc, cross up en last à puni jumeau au côté. Max Mayo l'a envoyé en l'air et tout de suite, up air et paf. Premier kill pour Max Mayo. Voilà, ça va avoir des difficultés à remonter. Si l'attaque est tombée, qui va pas tuer. Hein. Il met du temps à tuer l'attaque de tout. Seul flash qui est mis dans le vent et. Qu'est-ce qui se passe? Ça remonte. Donc, ce flash qui est mis dans le vent et. Qui a pas été ultra efficacement. Oh, le disable qui est sorti. Vous l'avez vu, on l'a tous vu. Ah, encore une fois. C'est sur ce genre de phase que Max Mayo doit faire attention parce que, avec la ballon en main, en l'as peut punir ses side B mais sans aucun problème. Donc, c'est tendu. Ça revient à even pourcent. Et l'avantage. Oui, l'avantage piscine a l'air d'être en l'as, hein, je pense. Et psychologique aussi, il y a vraiment une difficulté de la part de Max Mayo à approcher dans une situation. Mais. Dès que la situation s'inverse, maintenant c'est en l'as que va avoir difficulté à attention avec ce nerf, encore une fois, encore et toujours.
Max Bayou il est prudent, hein. il va pas au side B, il a vu ce qui s'était passé deux fois où il a essayé. Maintenant, pas de side B à moins d'être sûr de son coup. Ah, enfin, c'est une petite touche. Les nerfs qui permettent à Orlas de garder le contrôle aérien. Et là, au niveau de la position, Max Bayou il est très mal barré. Oh! Max Mayo, il se l'est pris une fois, il a fait non cette fois je ne tech pas, je sais que tu vas tenter ta petite arnaque moldave au disable, mais non je me le prendrai pas. Voilà ce qui. Ça ne tue pas, heureusement pour Alas, mais ce smash qui était raté, ça tue. La Max Mayo qui tue, de pas beaucoup. Hein. Il y a peut-être eu un défaut de DI, la Max Mayo, je sais pas. Je sais pas si ça tue à 100%. Ok. Donc, en last à une game de la victoire. C'est reparti sur Battlefield, alors choix pas surprendre la partie, encore une fois je. Enfin ça vaut ce que ça vaut, je n'ai évidemment pas une connaissance parfaite de tous les personnages du jeu, mais je pense que c'est plutôt un terrain qui avantage Fox, mais en last peut en profiter donc et on l'a vu, la seule game qu'ils ont fait sur Battlefield c'est en last qui a gagné. Donc, je dois faire attention, les petites phases de tilt. Quand il est sur les plateformes c'est compliqué pour en last, parce que faut arriver à descendre et un Fox ça vous met une sacrée pression. Pour l'instant, gros avantage. Ouais. Donc, pour que leur dise les choses, le Donner, tout off match qui tue pas, encore une fois, ça a dû jouer à genre quelques pourcents. Et c'est reparti dans une. En là, ce qu'à la ballon, moi, faut faire attention. Le nerf qui permet de passer juste au-dessus de la ballon, moi. Ça s'est joué à très peu de choses pour que Max Mayo s'envole loin, très loin. Alors, est-ce qu'on s'abuse un petit peu de ce disable, hein. Faut faire attention. Max Mayo qui a pas froid aux yeux, il l'a suivi tout le long du stage. Ouah, la tentative de l'Edge Trump. Attention, le tech en arrière pour éviter de le nerf. Bien shield qui est tout de suite puni par un smash qui permet à Max Mayo de prendre cette première stock de cette game 4. Oui, 4 avec un accent. C'est parti, ça met des nerfs tranquillement. Là, il va falloir qu'on se roule kill très rapidement s'il veut pas avoir trop de difficultés à rattraper son retard. Et Max Mayo, vraiment, dès qu'il y a la balle ombre en face, il va pas chercher le side B ou je sais pas quoi. Non, 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 prudence, la personne qui va tuer, et c'est totalement even entre les deux, c'est très très tendu, il va falloir que Max Mayo trouve quelque chose d'assez propre pour espérer l'emporter face à Orlas. C'est petit, mon dieu. Très mal, 71% en une phase à base de tilt, et c'est déjà compliqué, c'est déjà à 15%. Smash qui est tenté. Max Mayo, ça fait deux fois ce genre de phase, attention. En là ce qu'il a bien dit, hein, il a voulu tout de suite tomber de la plateforme pour éviter de se prendre un smash marrant contre eux. Là il a attendu la roll pour pouvoir caler un up petit. Donc pour l'instant, ça attend, il y a de la patience. LNR, en là ce qui doit prendre pas mal de pourcents. Là on est dans les phases intéressantes. 60%. Oh le disable. Max Mayo a shield parce qu'il l'avait vu venir. Attention avec ses up smash dans le shield. En là ça peut encore revenir. Oh le shield qui a pris très très cher. Attention, un smash. La roll qui est lue de la part de Max Mayo et qui est punie par un up smash qui permet de prendre cette game. Comme je disais, c'est un match qui vraiment pas. Ça va pas à 200 à l'heure. Hein. C'est assez lent, mais c'est parce que c'est vraiment de la grosse guerre psychologique entre les deux. C'est très très dur pour les deux joueurs d'arriver à s'imposer dans la tête de l'autre. Qu'est-ce que tu racontes? Glass Cannon contre Glass Cannon.
Ah oui, oui j'entends pas de passer ici. Je n'ai plus d'aigle. Tandis qu'on fait les références au vrai film dans la salle. C'est reparti sur Battlefield. Ça peut se comprendre hein, ce choix de la part d'Enlas, mais c'est quand même compliqué quoi. Fox sur Battlefield, normalement ça se fait vraiment plaisir, donc c'est un choix audacieux, dirais-je. Pour l'instant, encore une fois, Max Payo met pas mal de pourcents. Là, Enlas met des phases où il veut pour faire très très mal. Avec ses nerfs qui sont très bien shield et très bien space, donc pas puni. 20% d'écart, ça s'en fera passer aisément. C'est vraiment de la garder pour 100 quoi, c'est à dire que dès qu'il y en a un qui tombe en couverture, c'est une masse de pourcent, voire ça tue. Et Max Mayo, l'avantage est peut-être à Fox dans ce matchup, je ne sais pas, parce que Max Mayo peut faire monter les pourcents plus rapidement. Et vu qu'on a deux persos assez glass canon, ça joue d'avoir un avantage au niveau des pourcents. Oh, ce smash qui est tout de suite puni. Mais heureusement, ça n'a pas. Enfin, ce smash donc qui n'est pas puni justement, puisque Donner a été shield par Enlas. Attention, le fer qui est trouvé qui va pas tuer. Et là, voir que Max Mayo fasse attention, il remonte. Oh là là, Enlas qui s'est un petit peu trop pressé sur Donner. Qui avait moyen de tuer, mais. Ouais. Il était un peu trop pressé. Attention, ce genre de phase, son positionnement un peu compliqué. Oh, la belle tech de la part de Max Mayo sur ce Donner qui a envoyé sur la gauche. Malheureusement pour Enlas, si le spike était passé, ça tuait le up tilt qui va pas encore tuer. Par contre, on est vraiment pas loin de tuer avec ce up tilt. Oh, c'est passé. Il a traversé Max Mayo, malheureusement. Là, qui va tuer cette fois-ci. Avantage d'une stock de la part de. Oh non! Non! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Rebranchez-lui sa manette, mon dieu! Et donc, Enlas, sur une victoire! Je vais pas dire méritée, mais une victoire!